Salut chers élèves, heureuse de me trouver aujourd'hui avec vous dans une nouvelle séance de grammaire. Aujourd'hui, comme vous voyez devant vous, nous avons une leçon qui va parler de l'adjectif qualificatif. Dans un premier lieu, mes chéris, nous allons voir ensemble ce que c'est qu'un adjectif qualificatif, comment le trouver dans une phrase et dans un deuxième lieu, nous allons apprendre ensemble les deux types que vous pouvez trouver dans un adjectif qualificatif. Ce sont les adjectifs attributs et l'adjectif épithète. Comment vous pouvez les distinguer dans une phrase? Et comme on faisait toujours, je vais commencer par l'explication de titre que nous avons ici. C'est l'adjectif qualificatif. Alors, c'est quoi un adjectif qualificatif? Alors, mes chéris, c'est quoi l'adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom, hein, que ce soit la couleur, la taille ou la forme, etc. C'est clair? Alors là, on dit qu'il qualifie le nom. Et bien sûr, on a déjà vu dans une leçon précédente ce que c'est qu'un nom. Et on a dit que le nom désigne trois choses, d'accord? Soit une personne, soit un animal ou bien un objet. Autrement dit, mes chéris, l'adjectif qualificatif sert à caractériser le nom. Cet adjectif, mes chéris, peut se placer avant ou après le nom. Vous allez voir tout ça avec moi, c'est clair? Et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. C'est quoi le genre et c'est quoi le nombre? Le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et le nombre, ça veut dire est-ce que c'est singulier ou pluriel? Cet adjectif qualificatif, mes chéris, donne des renseignements sur le nom. On peut lui ajouter un, deux ou même trois adjectifs qualificatifs dans la même phrase. C'est ce que vous allez voir avec moi. Alors, mes chéris, pour mieux clarifier ce que je viens de dire, je vous invite, mes chéris, à lire ces deux phrases écrites au tableau. Lisez-les, s'il vous plaît. Je vais lire avec vous. Capi est un mignon petit chien marrant. Quand il se met en colère, il grogne et montre des crocs pointus. Je reprends ma lecture. Capi est un mignon petit chien marrant. Quand il se met en colère, il grogne et montre des crocs pointus. Alors, mes chéris, quelle information les mots en vert donnent-ils sur le chien? Mignon, petit, marrant. Et pointu. Regardez-les, s'il vous plaît. Alors, quelle information les mots en vert donnent-ils sur le chien? Très bien. Tout à l'heure, je vous ai dit, ma chérie, que l'adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom, que ce soit la couleur, la taille, la forme, etc. Alors, ici, on dit que ce chien qui s'appelle Capi, il est mignon, d'accord? Il est beau, il est aimable, il est charmant et il est petit. Alors petit, ça veut dire le contraire de grand. Comment est ce chien? Il est mignon et il est
petit, d'accord? Après, on va préciser sa couleur. De quelle couleur est ce chien? Il est marron, très bien. Et ses crocs, comment sont ses crocs? Comment sont-ils? Ils sont pointus. Alors, mes chéris, ici, on parle de ce chien qui s'appelle Capic et qui est mignon, ça veut dire charmant, gracieux, aimable. D'accord? Il est petit. D'accord? Petit chien est marron, sa couleur est marron. Quand il se met en colère, c'est-à-dire il est furieux, qu'est-ce qu'il fait? Il grogne. Grogne, ça veut dire mécontentement, il pousse un cri. Alors, qu'est-ce qu'il fait après? Il montre des crocs pointus. Alors ici, mes chéris, les crocs, ce sont les canines des animaux carnivores. Hein, ces canines pointues de certains mammifères. Ils dépassent parfois largement des dents voisines. Là, on dit ce sont des dents en forme de crochet. Alors là, mes chéris, on a relevé les adjectifs dans ces deux phrases qui nous montrent ou bien qui nous donnent des précisions sur le nom. Et le nom ici, c'est Capi. Et Capi, bien sûr, c'est qui? C'est le chien. C'est clair? Alors, ce sont des adjectifs qualificatifs. Parfois, ils viennent avant le nom et parfois, ils peuvent avoir, venir après le nom. C'est clair? Alors, mes chéris, ces mots-là que vous voyez devant vous avec la couleur verte s'appellent des adjectifs qualificatifs. Répétez, les adjectifs qualificatifs. C'est clair? Alors là, l'adjectif se place avant ou après le nom. Désolée mes chéris parce que j'ai fait tomber mon portable. Alors pour mieux clarifier ce qu'on vient de voir aujourd'hui, je vous laisse avec ces exemples-là. Essayez de les lire s'il vous plaît. Allez-y, lecture silencieuse. Et n'oubliez pas de bien retenir ce que je viens de dire. Alors j'ai dit que l'adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom. Alors la première phrase mes chéris. Un fauteuil confortable. Alors, fauteuil sur lequel on peut s'asseoir, confortable. Quand je m'assois sur ce fauteuil-là, je me sens à l'aise. Très bien. Alors, fauteuil confortable. Un fauteuil confortable. Ici, où est le nom? Où est le nom ici? Très bien. Alors, le nom, c'est fauteuil. Alors, mes chéris, première astuce pour trouver. Ici, l'adjectif qualificatif dans cette phrase, je pose la question comment? Comment? Alors, comment est ce fauteuil? Il est confortable. Très bien. Alors, ici, confortable, c'est l'adjectif qualificatif. C'est clair? Alors, le nom ici, c'est fauteuil. Hein, c'est un déterminant. Fauteuil, c'est un nom. Et confortable, c'est l'adjectif qualificatif. Et pour le trouver, je pose la question comment? Alors, on va continuer avec la deuxième phrase. Une femme élégante. Élégante, ça veut dire bien habillée, bien coiffée, bien maquillée, etc. Alors, comment est cette femme? Elle est élégante. Alors, élégante, c'est l'adjectif qualificatif. Femme, c'est le nom et une, c'est le déterminant. Alors, déterminant, nom, adjectif. Passons à la troisième. Une grande classe. Pour trouver l'adjectif qualificatif, mes chéris, ici, quelle est la question que je dois poser? C'est comment? Très bien. Alors, où est le nom ici? C'est grande. Alors, la première des choses, trouver le nom dans la phrase. La deuxième des choses, poser la question comment? Alors, comment est cette classe? Elle est grande. Alors, si vous allez remarquer, mes chéris, ici, que l'adjectif qualificatif ici se place avant le nom. Hein? Tout à l'heure, mes chéris, je vous ai dit que l'adjectif qualificatif se place avant ou après le nom qu'il qualifie. Alors là, regardez, l'adjectif est
placé après le nom. Ici, il est placé après le nom, mais ici, il est placé où ça? Avant le nom. Passons à la quatrième. Une jolie petite fille. Alors, où est ici l'adjectif qualificatif et où est le nom? Trouvez d'abord le nom et après, vous allez me dire où est l'adjectif qualificatif. Très bien. Alors là, on parle de qui? On parle de la fille. Alors, la fille, c'est non. C'est le nom. Fille, c'est le nom. Alors, ici, une, c'est quoi? C'est un déterminant. Alors, comment est cette fille? Comment est-elle? Elle est jolie, elle est belle. Alors, jolie est l'adjectif qualificatif. Et comment elle est aussi? Elle est petite. D'accord, elle n'est pas grande, elle est petite. Alors là, si vous remarquez, on a deux adjectifs qualificatifs dans la même phrase. Et tout à l'heure, je vous ai dit que pour donner plus de renseignements sur le nom, on peut lui ajouter un ou bien deux ou même trois adjectifs qualificatifs, comme dans cet exemple-là. Et passons à la dernière, un jeune garçon. De qui on parle ici? On parle du garçon. Alors, garçon, c'est le nom. Hein? Et comment est ce garçon-là? Comment est-il? Il est jeune. Alors, jeune, c'est l'adjectif qualificatif. Très bien. Il est placé où? Il est placé avant ou après le nom? Très bien. Il est placé avant. Alors, déterminons. Adjectif qualificatif. Nom. Alors mes chéris, passons maintenant à la deuxième étape au type des adjectifs que vous pouvez trouver. Alors ici, comme vous voyez devant vous, on a l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut. Nous allons parler maintenant de l'adjectif qualificatif épithète. C'est quoi? Suivez avec moi. Alors, on va lire la première phrase ou bien cet exemple-là. Un joli cartable. D'accord? Cette phrase est composée d'un déterminant, adjectif qualificatif et d'un nom. C'est ça? Alors, on a dit que pour trouver l'adjectif qualificatif, on pose la question comment? Alors, comment est ce cartable? Il est joli. Alors, joli, c'est l'adjectif qualificatif. Alors, ici, mes chéris, le groupe nominal composé d'un déterminant plus adjectif qualificatif plus nom. Et bien sûr, cet adjectif qualificatif se place avant. Avant le nom, comme il peut se placer après le nom. Alors l'adjectif, mes chéris, ici, est placé juste avant le nom. Il n'y a rien ici, hein, au milieu ou bien qui sépare le nom avec cet adjectif-là. Il est placé juste avant le nom. Alors là, il occupe la fonction d'épithète. C'est clair? Voyons le deuxième exemple. La vieille usine pollue beaucoup. La vieille usine pollue beaucoup. Pour trouver le nom, hein? Ici, comment je peux faire? Pour trouver l'adjectif, qu'est-ce que je dois faire? Allez-y. Alors, de qui on parle ou de quoi on parle ici dans cette phrase? On parle bien sûr de l'usine. Alors là, c'est le nom. D'accord? Là, c'est le nom. Et pour trouver l'adjectif qualificatif, je pose la question, hein? Comment? Allez-y. Très bien. Alors, comment est cette usine? Elle est vieille. Alors, vieille, c'est l'adjectif qualificatif. Alors, l'adjectif qualificatif vieille est placé avant ou après le nom? Il est placé avant. Est-ce qu'il y a un autre mot qui sépare le nom avec l'adjectif? Non. Alors là, je pars. Il est placé avant le nom. C'est un adjectif épithète. C'est clair? Alors, autrement dit, l'adjectif qualificatif qui est placé juste avant ou après le nom directement, occupe la fonction d'adjectif d'épithète ou bien la fonction d'épithète. Parlons maintenant, mes chéris, de l'adjectif qualificatif attribut.
Alors, cet adjectif qualificatif attribut est placé après un verbe d'état. Et ce sont quoi les verbes d'état? C'est comme le verbe être, rester, sembler, devenir, paraître, ou bien avoir l'expression comme avoir l'air. C'est clair? Alors, ils sont six. Alors, regardez cet exemple que je vous ai écrit au tableau. Aya est nouvelle dans la classe. C'est clair? Aya est nouvelle dans la classe. Alors, ici, quand vous voyez l'adjectif qualificatif est après le verbe d'état, qui est le verbe être. Hein? Alors là, c'est un adjectif qui fait l'action d'attribut. Il fait l'action de quoi? D'attribut. Autrement dit, entre l'adjectif qualificatif et le nom aya, il y a un verbe d'état. Ce n'est pas comme l'autre adjectif qualificatif épithète. Hein? Il est placé, l'adjectif est placé juste avant ou bien juste après l'adjectif. Mais ici, il y a un verbe d'état qui sépare le nom avec l'adjectif. Alors, la même chose pour ces deux exemples que vous voyez devant vous. Cet acteur est amusant. Alors, quand vous remarquez ici, quand vous voyez, amusant, c'est l'adjectif et c'est le verbe, l'acteur, c'est le nom. Alors, l'adjectif est placé juste après le nom? Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un verbe d'état. Alors, après le verbe être, après le verbe, bien sûr, le verbe être. Alors là, je dis qu'il y a un adjectif d'attribut. Un adjectif d'attribut. C'est clair? Passons à la deuxième. Elle semble triste. La même chose. Alors, regardez l'adjectif qualificatif ici. Elle est placée après le verbe d'état. C'est le verbe sembler, comme on vient de voir tout à l'heure. Parmi les verbes d'état, il y a le verbe sembler. Bien sûr, ici c'est le verbe et ici c'est le nom. Voyons le dernier exemple. Je vous ai dit que parmi les verbes d'état, il y a les expressions comme avoir l'air. Alors ici, il a l'air heureux. Il a l'air heureux ou bien avoir l'air heureux. Alors l'adjectif heureux ici, c'est l'adjectif attribut qui fait l'action d'attribut. Alors mes chéris, j'espère que cette leçon est bien claire. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques. Abonnez-vous si vous voyez ma chaîne pour la première fois. Je vous aime mes chéris. À une leçon, Inch'Allah. Nouvelle leçon, Inch'Allah. Ah, je vous aime et à très bientôt.